Bon, et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle session. Aujourd'hui, il y a Guillaume qui est venu passer le week-end en Ariège avec moi. Il y a Adrien, il y a Loïc, là on est plusieurs à être en flotte, on se fait un coup du matin. J'ai déjà fait une perche, mais malheureusement j'ai dû reformater la carte SD parce que la GoPro ne filmait plus. Elle était buggée. Du coup, on va essayer de faire d'autres poissons, voir ce que ça donne. Là, je suis au leurre de surface, j'ai fait monter au leurre de surface, il n'y a rien de plus fun. C'est pas forcément le plus productif à cette saison en ce moment là, mais j'en ai fait monter une, c'est déjà bien, je suis content. Pas très grosse, mais c'était sympa. Hop. Donc je vais continuer au leurre de surface et je verrai bien ce que ça donne un peu. Après, je vais peut-être passer au big bait là sur le plateau ou au crank. Je pense que je vais passer un peu au crank là. Et ensuite, je passerai peut-être au big bait. Je garderai le stick pour les zones un peu moins profondes là-bas. Petit montage que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos avec un petit teaser devant. Là, c'est un petit streamer avec un crank. Ça permet de prendre soit des perches sur le crank, soit sur le teaser. Et les brochets, on les prend aussi bien sur le crank qui est juste derrière. Alors, on vient voir à quoi il ressemble le Black Minnow. Ah bah il nage très bien le Black Minnow. Il nage pas ici. Si, il nage, hein. Il nage nickel. Mais il se décale pas au taquet à gauche ou à droite. Si. Il tourne pas sur lui-même ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Poisson. Poisson ? Ouais. Hop, attends, je vais t'attraper. Poisson. Oh bâtard ! Un petit bec. Ah non, une belle perche, sur le crank. Elle est maille. Ouais, une belle perche. T'as l'épuisette ? J'ai l'épuisette. Ouais. Ouais. Elle est maille carrément. Bah, j'espère qu'elle va pas se prendre dans les mailles partout. Hop là. Elle s'est pris dans les mailles de partout, mon pote. Ouais. Bah. Elle est maille, mais sans problème. Elle est vénère. Ouais, j'ai bien vu ça, ouais. Parce que là, elle a décassé les crochets. Elle s'est décrochée ? Ouais. Regarde-moi. Trompé. Allez, ça, c'est bon ça. Belle perchasse. Dans quel coin là, par là? Ouais, là-bas là. Boum! Wouah, le bloc! Oh, faut que je te prenne une photo, attends. Vas-y. Attends, avec le soleil, je vais me décaler. Ah ouais. C'est bon. C'est bon? Ouais, j'en ai pris de trop pas mal. Ouais, attends, je. C'est combien celle-là? 42? Bon, mais je vois ça. Je vais le mettre là. Bouge pas trop, toi. Elle fait ses 40, ça c'est clair, elle fait ses 40. Ses 40, elle les fait. Ouais, je pense qu'elle les fait. Elle est haute, hein. Ouais. Ouais, 40 tout pile. 40 tout pile. Ah, oh merde. Non, c'est un fiche. C'est un fiche ? C'est un fiche. Oh putain. Enfoiré, c'est un fiche. Qu'il est. Attends, je relâche la perche. Non, non. On est plus épuisette. Oh putain. Oh, j'ai eu peur. Tu as tellement cru. J'ai failli perdre l'épuisette quand même. Oui, par contre, oui. Ce troll. Je pensais vraiment que je comprenais pas. Énorme, ça aurait été énorme. Elle a une aiguille, celle-là. À chaque fois, c'est prendre l'épuisette. À la carpe. Ouais. Allez, bébé. Les carpes. Ouais. T'aimes bien, toi, les carpes, je le sais. Là, il peut dire ce qu'il veut. Avec ce qu'il a pris dans la gueule. Putain, ici, il a la carpe aujourd'hui. Il va finir avec le même. Oh, c'est derrière. Oh, le brochet. Maîtré. Oh, maîtré derrière. Enfoiré. Il était maîtré. Il est maîtré celui-là. Il est à, sinon, il est à 95 au moins. Il est haut, vraiment je l'ai vu. Et t'es à quoi là? Avec le Daiwa là. Oh, le maître qui était derrière. Enfoiré, j'ai l'adrénaline attaquée là. Putain, ça. Ah, une bonne balle. Ah, je pense qu'on va le voir sur la vidéo en plus. Non, on le voit pas. J'ai l'épaule là, j'ai pas le filtre pour là sur la GoPro, on le voit pas, il était assez profond. Putain, il est dessus là. Je m'en occupe. C'est ça sous? J'adore voir les carpes.
Enfoiré, ce brochet derrière. Franchement, lui. Il me reste en travers. Il était derrière. T'as vu ce leurre que j'ai acheté? Lequel? Le gros, la truite là? Ouais. Ouais, j'ai vu. Magnifique. Ouais, il est énorme. Oh putain, ce brochet. Ouais, Brock. À la descente. Ouais, ça a pas l'air vilain, mais c'est pas énorme, je pense. C'est pas vilain. Ouais. Ah, il est pas vilain quand même. Ah, il est gros. Il est pas mal. C'est bon, j'ai épuisette, j'ai épuisette. À la descente, il me l'a coffré. Yes! J'étais en train de rallumer la GoPro et à la descente, boum! Eh, il fait 70 hein, lui hein! Il fait ses 70 lui, large hein! Doucement, doucement, doucement! Tranquille toi! Tranquille mon pépère! T'avais dit celui-là il me faisait de l'œil hier soir là. Ouais t'avais raison de le prendre. Attends je prends la pince. Il est mignon comme tout. Ah oui il est bien mignon. Je pense que ça fait un peu plus de 70. Ouais je pense aussi. Il y a surtout les puisettes dans les dents. Ah oui il est 80 il le fait. Non je pense pas. Moi aussi. Tu me fais une belle photo comme tu n'en fais pas. Attends. Hier il faisait. Non mais je peux le mettre. La scène. Oh, ça peut partir, ça va. Moi, je pense que les 80, il en est pas loin. Non. Non, il fait... 71. Ah ouais, ouais. T'as l'œil, hein, Adri. Ouais, les gens. Hier, je te dis, hier, je l'ai pris, le mien, là. Il avait la queue, là. Je l'ai allongé, il arrive là. Ah oui, 80, c'est con, hein. Yes, ça, je suis content. Franchement, ouais. C'est l'heure. Troisième lancé avec ce leurre, quasiment, trois, là. Hein. Ouais. Un mètre qui suit. Une perche de 40. Une... celui-là. Et là, je fais celui-là. Quoi, c'est le. Le Daiwa, là, ouais. Ouais, Daiwa Sprinté. Ouais. Et je suis dans l'optique de mettre un Sprinté. Je suis sur ce métré, mais je l'ai. J'arrive pas à le. J'étais en train d'arrêter la GoPro parce que tu sais, pour sauvegarder la partie avec le métré qui suit. Et à la descente, ça a tapé. Ah, donc tu l'as pas filmé? Non, j'ai pas la touche en direct. J'ai le combat hein, parce que j'ai fait démarrer la GoPro en même temps, tu sais, que j'ai pris la tape. Ouais. Mais du coup, j'ai pas la tape en direct. Ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup. Plus on va descendre dans le pas d'eau, plus on va avoir de poissons. Et là, je l'ai tapé là-bas, le maître il a suivi là. Et du coup, tu le laisses balader à côté du fond, quoi, ton leurre. Moi? Ou tu, dès que tu as touché le fond, tu ramènes? Je ramène tout doucement, linéaire, une fois que je touche le fond. Comme ça qu'il a suivi, mais vraiment dehors. Ah. Je vais faire le ménage, moi. Parfait ça. Je bouge. Ouais. Tu veux si tu veux t'amuser, reste. Je vais pêcher l'extérieur. Accroché? Oh merde, là par contre. Non, normalement avec le radigué ça se décroche bien. J'espère pour toi. Et toi ça tu me l'as appris dans une vidéo ça s'il te plaît, alors bon. Mets-toi au-dessus de la cuillère pour le faire comme ça. Chasse mais ça prend pas, j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'elle bouge. Ouais. T'es derrière? Ah non, c'était... Sans mêler. Oh. J'ai cru voir un truc derrière, c'était peut-être un reflet. Oui, oh, oui, il y a un broc derrière, on est d'accord. Tu l'as vu toi aussi? Ouais, je l'ai vu. J'avais cru voir un truc derrière, j'étais pas sûr. Enfoiré, il y avait un truc derrière. Oh, il était pas gros. Hein. Non, il était pas gros, mais il y avait un truc derrière. 60. Ouais, mais il peut taper là. Il aurait pu taper. J'étais pas sûr, j'avais l'impression de sentir des trucs, mais... Ouais, c'est vrai. Je t'avais dit qu'il y avait un broc là-dedans, c'était avec les boissons qu'il y a là, c'était sûr. Oh, belle. Belle perche. Oh, belle. Bien, dans les branches.
Ah, la petite fille Radjigé, belle! Oh, il était derrière encore, il m'a foutu une frappe là! Enfoiré! Il m'a encore frappé l'heure, le con! Le petit broc là! Il t'a mis une frappe? Ouais, là il m'a mis une frappe. Dommage qu'il se soit pas piqué. Regarde! Yes! Elle est pas mal celle-là! C'est pas maillé ça. Eh si, c'est maillé. Si, 30, bien. Attends, plus que quand même. 32 et demi. Bien. 33. Attends, la file au broc. Livrez-la au brochet. Il revient pas le con. Ah, il a tapé là quand même. Il est devenu deux fois, il a tapé. Je croyais que c'était du plastique. Ah oui, oui. Après ça dépend vraiment des points. Poisson. Ah, des crochets. Ah ouais. Regarde le triple, regarde ça. Putain, quel salaud. Il est revenu, hein, à la descente. Mais attends, je vais me mettre à côté. J'ai des traces de chicots partout sur l'heure.